termine avant. Voilà, on va travailler. Paul, le Thomas. Voilà, on est motivé, on est déterminé. On est toujours présent. Fidèle. Voilà, 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 voilà. Voilà, 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 on est motivé. On est déterminé. On a toujours la force. On a toujours la puissance. Que je suis encore motivé. Voilà, on est arrivé, on va s'entraîner, on va tout déchirer, hein. On va tout péter. Voilà, voilà, on se dit à tout à l'heure. Voilà, depuis deux jours, c'est la straddle planche sur deux poignets. On va essayer ça, on va tenter ça. On va essayer de réussir là. Voilà, il est motivé, on est déterminé quand il arrive. Voilà, voilà. Ça, c'est plus grand challenge. Voilà, straddle planche sur deux poignets. Voilà, voilà, voilà. Combien de temps encore vas-tu laisser de la place à cette voix qui te limite? De quelle catégorie fais-tu partie? De ceux qui baissent les bras sous prétexte que c'est dur? Ou de ceux qui écoutent une autre petite voix, plus discrète? Cette deuxième voix qui nous murmure, tu peux y arriver, donne tout, tu seras fier de toi. Je sais qu'il existe une partie de toi qui sent qu'elle peut accomplir plus, être plus, donner plus. Tu sais, il existe deux catégories de personnes. Ceux qui pensent que réussir est une question de chance, de prédisposition. Et ceux qui savent que réussir, c'est continuer malgré l'adversité et les difficultés. Un bébé tombe en moyenne 2000 fois avant de savoir marcher. Et il finit par y arriver, simplement parce qu'il se relève et continue encore et encore. Si tu n'as pas la vie que tu veux, il ne s'agit pas de s'en vouloir. Il s'agit de se prendre soi-même par la main, mettre les doutes de côté et oser te mettre en route pour ce qui t'inspire. Faire des erreurs, apprendre, recommencer. C'est fini de laisser la peur dicter ta vie. Fini de se critiquer, fini de se plaindre, fini de croire que tu n'es pas capable. Tu es capable, tu as du potentiel, des talents qui ne demandent qu'à être révélés. Ce ne sont jamais les événements de notre vie qui déterminent notre vie, mais ce qu'on en fait. J'entends trop souvent dans mes séminaires, mais c'est dur, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Oui, c'est dur, mais c'est dur aussi de ne pas aimer sa vie. C'est dur de ne pas être fier de soi. C'est dur de s'abandonner. Pourquoi certaines personnes attendent une maladie, une séparation, un événement douloureux pour commencer à miser sur eux-mêmes, pour décider de tout donner? Imagine cette version de toi en train de vivre ce qui est important pour toi. Pas le rêve d'Hollywood avec la voiture, on s'en fout de ça. Le rêve de la petite fille, du petit garçon en toi. À toi maintenant, de la transformer en réalité, en agissant. Ose partir faire ce voyage, ose plus t'exprimer, ose enfin dire à tes proches combien ils sont importants pour toi, combien tu les aimes, ose prendre ces cours de dessin, de musique, de sport. S'il le faut, ose te tromper, ose mal faire, ose tomber et relève-toi. Avance, donne tout, c'est ça s'entraîner pour réussir. Prends la décision maintenant de tout donner. Se sentir mal, c'est une décision. Ne rien faire pour aller mieux, c'est une décision. Ne pas agir aujourd'hui pour tes rêves, c'est une décision. Tout le monde peut se sentir bien quand tout va bien. Tout le monde a confiance quand tout marche. Mais le héros décide que quoi qu'il arrive, il avance. Quoi qu'il arrive, il se relève. Quoi qu'il arrive, il donne tout. Peu importe les obstacles, continue. Relève-toi, persévère. Tu mérites de te donner les moyens de révéler ce héros en toi. Il y a un lion, une lionne. Quelqu'un prêt à se dépasser. Quelqu'un prêt à vivre, enfin, ce qu'il inspire. Quand tu es frustré, que c'est dur, que tu es fatigué et que tu finis par te relever, c'est là que l'histoire du héros commence, c'est là que tu grandis. Bien sûr que tu es la hauteur, bien sûr que tu es capable, bien sûr que tu le mérites. Prends le temps de sentir ce feu en toi, toute cette force, ce courage. Et rappelle-toi d'où tu pars, si tu vas laisser tes peurs dicter ta vie, si tu vas laisser les autres choisir ton destin, si tu vas laisser les difficultés t'arrêter, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'on te critique? Que tu échoues, et alors? Deviens ce héros qui se dit, peu importe les peurs, les critiques, je donnerai tout. Peu importe les échecs, les erreurs, je donnerai tout.
Peu importe le temps que ça prendra, je donnerai tout. Alors tu te dis peut-être, oui ça m'inspire. J'y réfléchirai demain. Mais demain il y aura quoi? Il n'y aura jamais d'autre meilleur moment que maintenant. C'est aujourd'hui, c'est ton jour. Ta vie, elle se joue maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour être fier de toi ce soir? Tout ce qui me hante, je suis prête à l'oublier.